Les fondements mêmes de notre naissance sont liés au cycle de la Lune. Si ce système énergétique connaît 1008 pleines lunes, ce qui se produit environ en 84 ans, avec très peu d'aide, vous pouvez aller au-delà des cycles de naissance et de mort. La principale source d'énergie de cette planète est le Soleil. Et votre corps n'est qu'un fragment de la planète. Donc l'influence du Soleil sur tout ce qui est dans le monde est grande, très grande. Mais la Lune, qui n'a aucun moyen d'émettre de l'énergie, comme le Soleil, a également un impact énorme sur nos systèmes, du fait de sa proximité avec la planète. Donc lorsque l'on veut comprendre les chemins de la vie, la façon dont elle nous arrive de l'extérieur, on regarde le Soleil. Quand on veut comprendre la façon dont la vie a lieu de l'intérieur, on regarde la Lune. Donc l'influence de la Lune sur nos systèmes est indéniable. Les fondements même de notre naissance sont liés au cycle de la Lune. Les cycles de la Lune et les cycles biologiques naturels dans un corps féminin sont connectés à 100%, et il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, la source même de notre naissance est liée au mouvement de la Lune. Comme physiologiquement, notre naissance et notre vie sont enracinées en cela, à bien des égards, je dirais, en général, pas toujours, en général, les femmes sont bien plus existentielles parce que leur corps parle le langage de la Lune. Ce décompte du temps, nous ne devons pas confondre ce décompte du temps avec les horloges et les montres. Elles ne savent rien. Elle fonctionne simplement de façon mécanique. Mais le corps humain connaît le temps d'une autre façon, qui n'est pas un processus mécanique. Eh bien, bien que les mouvements planétaires ou ceux de la Terre et de la Lune soient eux-mêmes un processus mécanique d'une certaine façon, la conséquence ou l'impact qu'elle a sur notre vie n'est pas mécanique. Il est très vivant. Son impact est très puissant en termes d'expérience. Dans le développement de l'énergie humaine, dans le développement du système énergétique d'un être humain, si ce système énergétique connaît 1008 pleines lunes, ce qui se produit environ en 84 ans, vous aurez complété 7 cycles solaires et 1008 cycles lunaires. Cela veut dire que votre système énergétique mûrit à un point où même si vous ne connaissez aucun processus spirituel, il mûrit à un point où il peut facilement fleurir. Ça peut arriver très facilement après la mort. Si votre grand-père est mort après 84 ans, vous pouvez être assez certain qu'il ne reviendra pas. Et il n'atteindra peut-être pas Mukti, mais il ne va pas revenir, il est à différents stades.
S'il avait une sadhana, s'il avait un peu de conscience, s'il est parti avec une certaine conscience, même un petit peu de conscience, à coup sûr, il ne reviendra pas. Si vous parvenez juste à vivre, pour terminer 7 cycles solaires et 1008 cycles lunaires, alors, vous pouvez rompre un certain lien avec la Terre. Votre lien avec la planète est rompu en grande partie, et très facilement, avec très peu d'aide. Même si vous ne savez rien sur rien, avec très peu d'aide, vous pouvez dépasser les cycles de naissance et de mort. Parce que votre lien avec la planète et la matière de la planète, dont vous portez la mémoire en vous, et la mémoire de vous que porte également la matière, vous allez briser ce lien. Une fois que ce lien est rompu, ensuite, le travail qui doit être fait est très simple. Si vous avez déjà eu une personne de cet âge dans votre maison, une chose que vous aurez remarqué, c'est que quels qu'aient été ses traits, quels qu'aient été les traits distinctifs de son comportement et les traits de sa personnalité normale, vous verrez qu'entre 83 et 85 ans, ses caractéristiques vont radicalement changer. Disons que quelqu'un était très grincheux. Vous verrez, après 84-85 ans, tout à coup, c'est une personne très joyeuse et gentille, ou peu importe. Des changements, d'importants changements de leur caractère vont avoir lieu. Parce que la servitude karmique qui maintient la personne dans un certain schéma de comportement va s'assouplir. C'est la raison pour laquelle on dit que si une personne meurt après 84 ans, après avoir été le témoin, peut-être que l'idiot n'a jamais eu la joie de regarder une pleine lune, mais son corps en a été témoin. Peut-être que ses yeux non, mais sa forme physique a été le témoin de 1008 lunes, veut dire que sa structure karmique va devenir lâche. Une fois qu'elle est devenue lâche, il ne peut pas trouver un autre corps immédiatement. Aucun ventre ne va l'accepter. Cela veut dire qu'il va traîner dans les parages et on peut très facilement s'occuper de lui, juste comme ça. Il n'a pas besoin de passer par un autre processus. Même s'il a vécu une vie absolument ignorante, c'est en cela qu'une vie longue est significative. Les gens bénissaient toujours en disant « Puissiez-vous avoir une longue vie ?» Pas nécessairement parce que vous passez du bon temps. Même si elle est misérable, ayez une longue vie pour qu'on soit débarrassé de vous pour de bon. Parce qu'une fois que votre structure karmique s'assouplit, trouver un autre ventre devient difficile, pas impossible, mais difficile. Donc c'est le moment où il y aura quelqu'un qui va dynamiter ces choses quelque part, peu importe. Même s'ils ne connaissent aucune dimension spirituelle dans leur vie. Donc, si vous n'êtes bon à rien, au moins vivez assez longtemps. Ne le faites pas autour de moi. Si vous êtes misérable, faites vos misères quelque part et venez à 84 ans. On aimerait vivre avec des gens joyeux. À 84 ans, vous êtes les bienvenus.